Franchement, s'il le plaque, je suis mort. Mais quoi? Mais pardon! C'est une putain de blague. Non, mais le titre, il est vraiment pas mensonger, hein. À 44 ans, il met vraiment la p***. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, on va rider avec le pote Ludwig qui vient tout juste de fêter ses 44 ans. On va découvrir, ou plutôt redécouvrir son spot que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Petite piqûre de rappel. Est-ce que ce gros jump vous dit quelque chose? Il a shapé des trucs encore plus fat et je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et pendant que j'étais en train de faire l'intro, Louloud il est parti. Faut savoir c'est qu'on a passé 2 heures à shaper ça, shaper un autre truc là-bas. Il voulait pas s'arrêter, bah oui comme d'habitude. Ludwig tu lui donnes une pelle, il s'arrête pas, il continue, il part où là? Écoutez, on va l'attendre hein. Encore et encore, on fait que l'attendre de toute façon aujourd'hui. Est-ce que c'est un décès ou pas? Oh! T'as failli tuer le chien? Ah, y'a le loup qui arrive! Ne me dis pas qu'il saute direct! Mais non, mais non! Bonsoir! Mais attends! Je m'en bats les couilles, frère! Bon, bah, il est encore parti! Louloud, il vous avait manqué, hein! Ah ouais! Il vient tout juste de fêter ses 70 ans! Non, il vient tout juste de fêter ses 44 ans et pour fêter cette occasion, bah, je mets sur Instagram dans la description, vous allez lui donner un max de force, mettez bon anniversaire en commentaire, mais c'est pas ça ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que bon, souhaiter un anniversaire c'est bien, mais rider pour fêter ça c'est encore mieux, d'autant plus qu'aujourd'hui... D'autant plus que tu viens plus jamais nous voir. Oui bah... Tu m'as complètement délaissé. Mais c'est toi, tu viens pas en Alsace. Pour aller bouffer des saucisses putain. Elles sont bonnes ces saucisses aussi, qu'est-ce que je te dise. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que ce step-up est toujours là. D'ailleurs, on a mis du mou. On a mis pas mal de ça pour tenter à la fin de la vidéo un quoi? Des bêtises. Un backflip à 44 ans, c'est ça? Non. Oh, lui non. Bon, il va faire des dingueries à 44 ans, vous êtes pas prêts. Mais t'as aussi shapé une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne là. Que voici. Et une nouvelle ligne aussi que personne n'a vue, mais... C'est ça qui se trouve là-bas avec des gros là jumps. Voilà, ouais. Et plus haut encore. Et non. Pour l'instant, on peut pas trop... Disons qu'on la verra sommairement. On pourra pas tout vous montrer aujourd'hui, mais... On va déjà vous montrer du lourd, vous êtes pas prêts. Franchement, là j'ai qu'une hâte, c'est de rouler. Parce que c'est fou. On a mis une petite caméra sur sa toutée pour voir ses runs. Et puis, eh ben ça part. On va aller découvrir le petit spot, hein, si on peut dire ça petit. Ah oui, n'oublie pas la petite dorsale RXR. Comme ça risque d'être dangereux aujourd'hui, faut s'équiper. Hein. Ouais. Est-ce que je l'ai déjà rappelé que vous avez moins 10% avec le code Sanrio sur ça? Je vous mets le lien d'ici dans la description. Ouais. Oh, oh non, pourquoi j'ai pas filmé ça? Attends. Allez, ça donne quoi? Allez, oh oui. Je crois les potes, je vais me poser ici avec ma caméra, je vais les filmer, je vais... Ça sent ça la vidéo. Je regarde des jeunes se tuer. Bon l'ami Louloud, avant de commencer cette session, peux-tu te présenter ton bike? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'abonnés qui veulent savoir ce que c'est ce truc là. Alors ce petit machin là, c'est un Santa Cruz Nomad CC qui vient de chez Chris Bike Dijon. Petit vélo, full carbone, petite Fox 36 Kashima. Or doré, ça c'est bling bling, c'est sympa. Ouais c'est super bling bling, c'est surtout super résistant. Le petit montage hop. Ouais, il y a pas mal de hop. Une machine de guerre. C'est le chromag. Meilleur set du monde. Cacher des gros suicides. Bon, on va voir ce que tu sais faire avec ce vélo. Hein, on va voir. Avec toi, tout est possible. Oh, tu passes devant. Vas-y, tu passes devant, je te filme. Yeah. Allez, c'est parti, première descente. Oh, il pédale comme un porc. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Attends, il va s'aimer. Oh, je me suis vu mourir. C'est bon. T'es insolent. Moi c'est ma première descente, bien joué. Mais c'est super tech. Ouais, c'est tellement bien. Mais attends, j'étais pas prêt sur le virage. Attends, c'est super grand. Mais tu driftes avec tes deux roues. Ouais, mais tu fais gras de ouf. Ok, on va se refaire la ligne. Cette fois-ci, on va essayer de sauter cette bosse. Allez, cette fois-ci, on chie pas la ligne. Oh, j'appuie. Moi, putain. Non, j'ai pas testé, je me suis chié dessus. Nope. Et mais c'est incroyable, en fait, ça descend, ça remonte, du coup, tu t'écrases dans les cuvettes. Ça, faut garder la compression jusqu'au bout. Quoi. Mais il y a moyen, je pense, c'est jumpable. Alors avec moi, ça marche, mais je sais pas si ça marche avec toi. On me dit souvent, tape aussi fort que t'es con. Ouais, non, moi, ça marche pas, bizarrement. Je sais pas. Non, bah non, après, la pelle, elle casse. Objectif. De là à là-bas, 6 mètres de long. C'est pas le plus gros jump du terrain. Vous allez voir après qu'il y a beaucoup plus gros. Mais c'est surtout la prise d'élan derrière qui est assez difficile à négocier. Troisième essai, c'est le bon pour la Daron. Allez, Inch'Allah, comme tu dis. Ouais, comme disait Breton. Putain, comment il drift. Non. C'est impossible. Tu sais ce que j'ai fait ici? Non. 360. Sérieux? Ouais. Ah, j'ai apprécié un papy, je suis content. Ça fait plaisir de pas avoir vu ça. Ouais, 3-6, j'ai fait longtemps, je l'avais pas fait non plus. Ah, c'est l'occasion aujourd'hui de le tester. Sérieux, c'est bien passé et tout. Franchement, il est super. Si tu veux, je peux le refaire. Ah ouais, je veux voir ça. Allez, tentative numéro 4, je me mets devant toi. Ah, il faut que j'apprécie un papy là, ça fait longtemps que tu m'as pas vu rouler. Oh hey boy. Allez, on pédale. Non. Oh, putain, ok, ça fait trop peur. 3-6, allez. Youhou! Yeah! Youhou!
Wouh. Nouvelle ligne les potes, qui rejoint la fin de la ligne sur laquelle on galère depuis tout à l'heure. Donc on va essayer de se jumper cette bosse, hein. On est chaud, hein. Ouais. Allez vas-y go. Wouh. Wow. C'est passé. Mais non, mais non. Mais non, mais non, mais quoi? Oh. Ça va? Le poney d'espace! Ah bah oui, j'ai eu le temps de voir ça, hein. T'as pas bégayé avec un pied en l'air? Ouais, j'ai bégayé de ouf en l'air, ouais. Je sais pas vous, mais pendant deux secondes, j'ai cru qu'on allait perdre notre ami Louloud. Juste pour cette action, pouce bleu. Bon, on se la refait ou pas? Ah, j'y retourne pas, je suis là. Bon, Louloud, avant de partir sur la grosse ligne là-bas, ouais. Tu peux nous expliquer à nos abonnés d'où t'as eu tout ce niveau-là? Quel âge t'as commencé le VTT? Ça fait depuis combien de temps que t'en fais? J'ai commencé à 30 piges. Genre à 30 ans, t'as commencé le VTT? Ouais. Ça fait 14 ans que tu fais du VTT et t'as appris tout ça? Ouais. Bah après, je suis tombé sur les bonnes personnes. Et puis j'étais motivé, quoi. C'est tout. J'ai vu des vidéo genre New World Disorder. Ah ça c'est les meilleurs, franchement les gars, il y a tous les New World Disorder sur YouTube, allez les checker, c'est trop bien. C'est la base, quand tu regardes ça tu fais ouais, moi je vais faire pareil. Bah comme quoi les gars, il y a pas d'âge pour commencer le VTT, hein. Bah, vous pouvez quand même envoyer du lourd à partir de 30 ans. Non, le pire c'est que je sais pas s'il va envoyer du lourd. On se laisse la surprise, j'imagine qu'il va envoyer des dingueries, mais dans un bac à mousse vous êtes pas prêts, hein. Il y a moyen de faire un épisode 2 10 000 pouces bleus, ça peut être envisageable. Mais la dernière fois, je l'avais vu faire backflip sur un airbag et enchaîner juste après backflip Superman, alors que ça faisait 5 ans qu'il n'en avait pas plaqué. Mais bon, c'est Louloud. Troisième et dernière piste. Je sais pas il y a combien de tonnes dans ses bras, mais c'est une grosse pelleteuse. C'était nul ma blague. Non, franchement les gars, c'est incroyable. La dernière fois que j'étais venu, c'était voilà quoi. Mais là les virages, ils ont pris quoi, je sais pas, 1 mètre, 2 mètres de haut. Bon, je suis un peu le Marseillais, mais bah, voilà quoi. Mais bon. Ah, parce attends, spoil ou pas? Ça fait crac crac et ça fait boum. Bien sûr, on vise personne, hein. Aucune. Personne. Les gens qui ont des cabanes dans les forêts et tout, non? Non, non, mais pas du tout. On passe pas loin des arbres. Wouah. 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 Il s'aime, attends-moi Louloud. Wouah, c'est fat. Wouah. Non, 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 j'ai failli mourir. Oh, les physiques s'alignent quand même, hein. J'en peux plus. C'est génial. Oh là là, oh. Je suis mort. J'ai fissuré la jambe. Non, ouais, t'as pas fissuré ta jante. Ah oui, ah bah si, si, il a fissuré sa jante. Oh. Crotte, elle est neuve. Le mec, il m'avait changé pour la vente. Oh putain, non. Ah ça, c'est parce que c'est pas du spank, hein. Ah bon, on y va? Bon, on y retourne. Cette fois-ci, je passe devant, on va tout niquer, hein. Zébali, attends, le check du bon courage. Bah, du coup, bon courage avec ta jante en miettes, hein. Eh, Zébali. Youhou. Ok, c'est là. Bap. Bap. Yeah, boy. Ah, je me suis pris. Je me suis tué un orteil. Il y a une branche qui m'a tapé dans le pied. Non. Je te jure. Ah, ça passe trop bien. Le buzz, Carfine. C'est trop bien. Par contre, il y a un endroit où ça passe pas loin d'un arbre. Ah ouais, ça passe. Il y a deux, trois endroits. Ça, mine de rien, t'as pas l'impression. Putain, faut que je fasse gaffe avec mes épaules surdimensionnées. Ouais, ça risque de toucher. Avec ma connerie aussi surdimensionnée aussi. Ouais, il y a moyen. Oh, yeah boy, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais fallait prévenir. Mister Lood, il est l'heure de s'attaquer à la grosse bête. Ouais, tranquille, ça va envoyer du gros tricks. T'as un lacet, non? Non, pourquoi? Pour accrocher ma selle. Pourquoi? J'ai une selle télescopique, je peux pas faire des Superman, c'est grave. Oh là 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 là. Je te jure, si tu me fais ça aujourd'hui, Loulou, je te parle plus. Bon bah les gars, vous l'avez compris, c'est l'heure d'envoyer des gros tricks sur ce gros step-up. On va voir ce que ça donne, ça fait longtemps que j'ai pas jumpé, donc on va commencer chill puis ensuite envoyer du lourd. Avant de se lancer sur le gros step-up, je vous invite à aller suivre Ludwig sur Instagram parce que bah c'est ici où il y a toutes les nouveautés sur ce spot et franchement ça vaut le détour. Tu peux te faire confiance et te suivre? Ouais, je vais cool. Zébali, hein. Yeah boy, elle est incroyable la boss. Je la trouve tellement bien la recette là. Et elle est parfaite pour envoyer du gros tricks. Ouais, je pense. Oh, oh oui. Bon allez, c'est parti, on y retourne, hein. Ouais. Bah, 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 bah. Bon Loulou, je viens de voir, t'as fait un gros whip. Ça te dit, on se fait un petit whip off là? Allez, on essaye. Allez, ouais. Celui qui claque le plus gros whip. À vous de me dire en commentaire lequel des deux whips vous avez préféré. Soit le big ou bien le mien. C'est vous qui choisissez. Pardon.
Bah ouais. Ouais, j'ai fait un connard tout pété, lui. Tu commences comme ça là d'un coup là. J'étais bien au foot. Bah du coup t'es bien aussi en une galère. Ouais. Du coup là c'est à mon tour de faire la même chose. Ouais. Ouais. C'est quoi ce qu'on va faire, c'est que tu vas imposer un trick et moi je serai dans l'obligation de faire le même trick que t'as posé. Plus fort que moi, t'as plus de trucs. De toute façon c'est toi qui lance les tricks et c'est pas à moi de te lancer un trick. Ou si je te lancerai peut-être un trick à la place. C'est à l'envers toi. J'ai bien compris où tu vas en venir depuis le début en fait. C'est sur VTT, j'emmène papy à l'hôpital, ça serait pas mal comme titre. Qu'est-ce que tu fais? Je teste la position. La position de tu lâches une main pour attraper la selle, ouais, c'est ça? Ouais. Ok, ouais, c'est bon, je vois ce que tu veux faire. Et moi, je suis pas prêt de reproduire ce que tu veux faire. Bon, déjà, allez, je vais essayer de valider le no foot indian. Oh, je me suis f***u. M'en fous, il est plaqué. Allez, Louloud. Mais quoi? Bon bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche, mets un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et on se retrouve dimanche prochain à 8h30 pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, salut, coupé hein. Bien joué, c'est quoi, je suis joueur, je vais tenter. Yeah yeah. Nope. Ouah là là, j'ai replaqué un pied mais pas le deuxième. Oh, oh, oh. C'est plaqué, je sais pas s'il était bon mais il est plaqué hein. Oh là, ça fait trop peur ce trick, c'est horrible. Sur une grosse base comme ça, ça met pas en confiance. Tu me le valides ou je refais un essai? Je le valide. Oh, yes. Ouais. Non mais genre avant il faisait pas ça hein. Nope. Ça fait trop peur. Comment tu peux lâcher les mains sur une aussi grosse bosse? Non mais sérieusement. Je vais essayer de lâcher les mains le prochain essai mais ça fait trop peur. Vous vous rendez compte? Sur une bosse aussi grosse, vous devez lâcher les pieds et les mains. T'as aucun contrôle sur le bike. Et là, pendant qu'on était en train de monter, il veut faire la même chose. Ouais, rajouter un trick. Franchement s'il le plaque, je suis mort. Mais quoi? Mais pardon! C'est une putain de blague. Non mais le titre il est vraiment pas mensonger hein. À 44 ans il met vraiment la p***. J'ai retrouvé mes 20 ans. Ça va pas durer longtemps mais bon. Ouais, je suis venu ce soir avec la... Tu peux là, l'orteil. Bah écoute, je vais essayer. Ensuite si j'arrive à plaquer Patrick, je fais barrel roll pour remonter la barre, ah ouais, tu vois. Bah... Super session, ça fait plaisir, franchement. Top, merci. Franchement, tu m'avais manqué ce genre de session. On m'avait aussi manqué, mais ça fait plaisir. Il n'y aura pas eu de backflip aujourd'hui, non. De ta part, mais. Épisode mais de 10 000 likes. C'est clair. 10 000 likes, c'est pas beaucoup. 10 000 likes, c'est pas beaucoup. Non, 20 000. 20 000. En tout cas, souhaitez un bon anniversaire à Ludwig en commentaire. Allez le follow sur Instagram, franchement, donnez-lui un maximum de force. Ça lui ferait plaisir, et surtout, ça me ferait plaisir parce que Ludwig, c'est le poteau. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine. Ciao. Freeride is not dead. Freeride is not dead. Bon, allez, vas-y, on va ouvrir la chouffe et on va fêter ton anniv. C'est parti. Hein.